un pouvoir extrêmement vertical. Donc il a théorisé que c'est pas parce qu'il y a des gens dans la rue qu'on les voit, de la même façon qu'il a théorisé que les syndicats ça se voit pas, qu'il a théorisé qu'un mouvement social ça se reçoit pas. Honnêtement, il y a des présidents de la République, hein, François Mitterrand, il avait reçu, il se trouve que j'y étais, j'avais 19 ans, un mouvement lycéen. Il était président de la République à l'Élysée. Donc voilà, il a théorisé autre chose. Un mouvement lycéen. Il était président de la République à l'Élysée. Donc voilà, il a théorisé autre chose. Alors il théorise a posteriori, hein, parce que au moment même, la vérité c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils pensent les Gilets jaunes. Ils pensent qu'il les a humiliés. Ils pensent qu'il les a méprisés. Mais ils pensent toujours ça. Et ils pensent encore plus parce que dans le livre, Paul, tu l'as lu, donc tu le sais, dans le livre, on raconte plein de vies et on raconte des gens qui ont été blessés. Voilà, parce que c'est un mouvement qui a été extrêmement réprimé. Mais extrêmement réprimé. On donne un chiffre, personne, qui est un chiffre officiel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, début décembre, il y a des lycéens dans la rue. Oui. Ça dure quelques jours. En une semaine, il y a 3200 lycéens en garde à vue. On n'a jamais vu un mouvement lycéen réprimé de cette ampleur. C'est le chiffre officiel du ministère de l'Intérieur, parce qu'on a travaillé avec plein de sources. Voilà. Quand le premier mois, donc du 17 novembre au 17 décembre, des gilets jaunes, il y en a bien plus dans la rue des lycéens, il y en a 5600 en garde à vue. Les premiers jours des manifestations lycéennes, le 3, le 4, le 5, le 6 décembre, il y a chaque jour une cinquantaine de blessés, dont 2 à 3 en urgence absolue par jour. Macron vous a dit ça. Ils me tueront peut-être d'une balle, mais jamais d'autre chose. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a peur ce jour-là. Et ça veut dire comprend ouais. Et ça que quelque dire... chose est en train de se passer et que le niveau de violence et de haine est tel qu'il n'avait pas jusqu'à présent imaginé que ça pouvait être à ce niveau-là. Les médias, ils ont été à la hauteur de cette crise? Vous l'avez couvert? Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Pourquoi? Je suis pas sûr qu'ils ont que les médias aient raconté à ce point les vies des gens. Je suis pas sûr que les médias aient raconté à ce point les blessés. Non, voilà. Mais c'est mon avis personnel. Hein. Cyril? Oui, je pense pareil. Je pense qu'on n'a pas compris ce qui était en train de se passer, nous non plus. On a laissé ces personnes, nous aussi, sur le bas-côté de la route, en ne regardant pas, alors que notre métier, normalement, c'est de regarder et d'observer. Sauf que ces gens-là, on les voyait tous les jours, mais on ne les regardait pas. Et d'une certaine façon, cette crise, elle a cette réussite-là pour nous journalistes, c'est qu'elle nous oblige aujourd'hui à ouvrir encore plus les yeux. Oui, parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils ont l'impression d'être invisibles. Et la vérité, c'est que voilà, on les a fait parler ces semaines-là, ils existent toujours. On les fait parler tous les jours, on va les voir, on va en reportage, on va raconter leur vie. Je sais qu'à chaque fois, avant les Gilets jaunes, à chaque fois que vous l'avez tous fait, à chaque fois qu'on allait, ils nous disaient, en fait, vous parlez jamais de nous, vous en avez rien à foutre de nous, vous les médias, en fait, vous êtes comme les politiques, vous en avez rien à faire. Ben, de temps en temps, on peut se remettre en question et dire qu'on en a... Qui a dit ça, par exemple? On était à deux doigts. C'est à nous la question? Oui, c'est à vous. Le directeur de cabinet du président de la République. En revenant de Buenos Aires. Ouais. Exactement. Donc c'est en novembre. Le lendemain, donc le 2 décembre, le dimanche matin, le président de la République arrive de Buenos Aires, il descend de son avion. Ils vont à l'Arc de Triomphe. Voilà, il monte dans la voiture, il y a son directeur de cabinet, Patrick Stord, à côté, et il lui dit... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 1er décembre, ils ont plus la maîtrise du terrain policier, le 1er décembre à l'Arc de Triomphe. Donc ils ont eu très peur. Ils ont, bah oui, ils pour l'Élysée. Oui, ils ont peur. Ils ont peur que l'Élysée soit envahie. Ils ont peur que le régime tombe à ce moment-là. Que le régime tombe. Bah oui, parce qu'ils ont plus. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, il le dit. Il est assez franc dans le livre. Il le dit. Ce soir-là, il va voir des policiers qui étaient là. Il va les voir. Il est dans une caserne à Maison Alfort. Les mecs lui disent on s'excuse, Monsieur le Ministre. En fait, on a perdu. On a perdu la bataille. Ils leur disent, oui, vous avez perdu la bataille, mais on va gagner la guerre la semaine d'après. Voilà, ils ont perdu, syndicalistes, et qui se disent, mais enfin, il y a des gens dans la rue, c'est la première fois qu'ils lèvent la tête, c'est la première fois qu'ils se battent. Sur le fond, voilà, on devrait leur donner quelque chose. Oui, que des gens en France qui travaillent, parce que les Gilets jaunes, c'est les gens qui travaillent grosso modo depuis qu'ils ont 15 ans, 16 ans, et qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Donc voilà, c'est aussi pour ça, on voulait raconter que tout n'a pas été équivoque et que derrière un discours extrêmement dur ou un discours de gens qui ne leur parlaient pas, eh ben, il se passait des choses et il y avait des gens qui étaient plutôt de leur côté aussi.